Siamo a Torre Pellice. Nous sommes à Torre Pellice, dans les vallées vaudoises. Nous sommes au centre culturel vaudois, l'ancien collège vaudois. Intorno a noi. Tout autour, il y a les vallées. Derrière moi se trouve la maison vaudoise, siège du synode vaudois, l'assemblée annuelle. Ici, à côté, on trouve le collège vaudois, qui représente leur attachement à la culture et le besoin d'être présent sur le territoire. Tout autour de moi, on aperçoit le décor montagneux dans lequel s'est développée l'histoire du mouvement tout d'abord et de l'église vaudoise par la suite. 8 siècles de batailles, de luttes, mais aussi de poursuites de la liberté jusqu'à son obtention. Créé en 1170 suite à la conversion de Pierre Valdo, un marchand lyonnais, le mouvement vaudois a vécu dans la clandestinité pendant 3 siècles environ, persécuté par l'Église catholique. En 1532, le mouvement adhère à la réforme protestante. C'est un véritable rapprochement. Les barbes vaudois, sorte de prêcheurs, se rapprochent des réformés et des grands réformateurs européens. L'Église vaudoise est créée. En partant d'un simple mouvement du peuple vaudois, elle devient Église vaudoise, sort à découvert et se met à bâtir ses propres temples. La réforme protestante touche les vallées vaudoises lorsque les Vaudois décident de faire traduire la première Bible protestante en français. En 1685, avec la révocation de l'édit de Nantes, le roi de France, Louis XIV, change le sort de dizaines de milliers de protestants d'Europe. Tra questi anche i valdesi che nel 1686 subiranno. Les Vaudois ne sont pas épargnés et subissent les persécutions du duc de Savoie qui les oblige à l'exil. Ou pire, les jette en prison après des semaines de rafles et les déporte carrément à Genève. Settimane di rastrellamenti e poi li deporta nel vero senso della parola a Ginevra. Qui i valdesi si organizzano e con l'aiuto dei. Les Vaudois s'organisent. Et avec l'aide des princes d'Orange, et donc des puissances ennemies du roi de France et du duc de Savoie, ils effectuent un retour armé, dit la glorieuse rentrée vers les terres du Val Pellice, du Val Chisone et Germanasca, en les reconquérant. Ils combattirent pendant 9 mois, et après avoir subi un long siège, ils parviendront à se réinstaller sur leurs terres. Riusciranno a scamparla e a reinsediarsi su quelle che erano le loro terre. Dopo le grandi repressioni, dopo le grandi guerre del 600 e inizio 700. Après les grandes persécutions et les grandes guerres du XVIIe et du début du XVIIIe siècle, les vallées vaudoises, Val Pellice, Val Chisone et Val Germanasca connaissent une longue période de reconstruction. Crisi, carestia, quindi bisognava ricostruire sia. Les guerres avaient porté dans son sillage la pauvreté et les famines. Il fallait donc tout reconstruire pour permettre aux populations de survivre. Le tissu social, les habitations, les cultures agricoles et tout ce que ces terres pouvaient donner qu'elles n'offraient plus à ce moment-là. Parmi ces cultures, on trouve également la vigne qui va se développer au fond et au milieu des vallées Pellice et Germanasca, et en partie dans le Val Chisone. Medievali, ancora Val Germanasca, Val Pellice
in parte la Valchisone. Il 17 febbraio 1848, le 17 février 1748, par lettre patente, Charles Albert met fin aux discriminations contre les Vaudois. Ils deviennent citoyens. Ils font désormais partie à tous les effets du royaume. A tutti gli effetti del regno. Una cosa non è cambiata. Mais en ce qui concerne la question religieuse, rien n'a changé. Les Vaudois sont toujours différents des autres. La differenza, l'essere differenti rispetto agli altri, però i Valdesi. Malgré cela, les Vaudois peuvent se déplacer dans le royaume, celui qui deviendra le royaume d'Italie. Ils font partie du mouvement qui a construit et développé l'Italie. E di sviluppo di questa. Oggi la chiesa valdese. Aujourd'hui, l'Église vaudoise a son siège à Torre Pellice et à Rome. Elle est parfaitement intégrée dans l'État italien. Nello Stato italiano, dal 1984, esiste un'intesa tra la Chiesa valdese. Depuis 1984, une entente entre l'Église vaudoise et l'État italien a été signée. Celle-ci leur reconnaît le droit de professer librement leur propre foi religieuse.